Bonjour à tous, Christophe 9210, abonnez-vous, partagez déjà, merci au popopo. Alors voilà, là je viens de voir une émission intéressante qui sur les droits, la justice, etc. et tout. Franchement, les émissions, ils sont pas mal quand même. Et puis je viens de m'apercevoir qu'en fait, un SMS, c'est valable. Eh ouais, parce que des gens me disaient, ouais, tu sais, un SMS, c'est pas valable. Et ben là, figurez-vous, il y a quelqu'un qui a promis quelque chose. Sur un préjudice par SMS. Bah, figurez-vous, pendant le milieu de la loi, bah, ça marche. Alors voilà, j'ai dire les gens qui disent qu'un SMS, ça a pas de valeur, et bah, si, il y a des traces, il y a le SMS, et voilà. Alors, j'ai dire, quand on promet quelque chose, surtout quand il y a des preuves, surtout quand il y a des preuves, c'est pas comme s'il n'y avait pas de preuves. Il y a des preuves, et bah, Lucie, bah voilà, faut bien savoir que quand on promet quelque chose et qu'il y a des traces par SMS, par mail ou écrit ou quoi, et bah faut le faire ou sinon et bah il y a quelque chose. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Passez de bonnes journées et puis j'allais dire quand on promet quelque chose et bah faut le faire. Sinon, ça s'appelle du chantage. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Ah, le SMS, moi, je l'ai bien. Ah, le SMS, le chantage et tout. C'est bien ça. Bon, allez, je vais vous laisser. Christophe 9210, abonnez-vous, partagez, j'aime bien sûr. Et dites-moi ce que vous en pensez, ça, de ça. Christophe 9210, po 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 po!